Bonjour. Il y a un communiqué du gouverneur de la région de l'Ouest qui, depuis 48 heures, demande aux transporteurs par bus et gros porteurs qui se rendent à Bouda, Bamenda, à Bafoussam, à Banjoun, de ne pas emprunter la route de Santchou parce qu'elle est dangereuse. Le gouverneur a demandé à ces personnes, à ces usagers, d'emprunter la route par Kekem pour sortir à Batier, Batier-Baham et puis Banjoun. Alors, il y a une autre image sur Internet qui a montré une fissure sur une route entrée de Santchou en disant que les pluies du 21 ont bouffé une partie de la route, ont créé une érosion extrêmement dangereuse et qui pourrait couper la route en deux afin de séparer Santchou d'une partie du pays. Mais curieusement, certaines personnes se sont amusées à dire que c'était un fake, une image d'archive. Eh bien, me voici. Nous sommes le 23 août. Je suis ici à l'entrée de Santchou. Ce trou, le voici. La route, la voilà. Et le trou est par ici. Regardez vous-même. Le trou est en train de prendre de l'ampleur. Donc, il est interdit aux gros porteurs, aux gros bus, de passer par ici parce que le pire pourrait se produire. Donc, ceux qui ont dit que c'est un fake sont dans le tort. Ce n'est pas un fake. Le gouverneur de l'Ouest, Afonka Agostin, a pris une mesure pour prévenir le pays et sauver les vies des Camerounais. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne ça au sérieux. Regardez, ce n'est pas de l'amusement. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, ce sont les conséquences des pluies de l'autre jour, du 21 août. Nous sommes le 23 août, ce n'est pas de la blague. Mais curieusement, je suis là depuis quelques minutes. Les gros porteurs continuent de passer, comme si de rien n'était. Tout le monde passe, on esquive le trou. On a même mis des balises de sécurité, mais les gens continuent de passer et il y en a qui disent que c'est un fake. Ce n'est pas un fake. Cet endroit est dangereux, vraiment dangereux. Et si rien n'est fait, Santchou sera bientôt coupé d'une partie du pays, notamment de Mbélon et du littoral. Faisons gaffe. Prenons au sérieux cette mesure du gouverneur de l'Ouest parce que le fait est là, le fait est têtu. À bon entendeur, salut. Je suis Cyril Bojiko pour Radio Balafon.